coming out, she's coming out, she's coming out, she's coming out, she's coming out, it's there. Ah bah c'est bon, ça c'est ma température. Et là ouais, là tu peux faire les... Attends, Hélène, Maud. Maud, Hélène, Hélène. D'accord. Non. Bon, Hélène et Maud. Bon, bonjour Patrick. Bonjour Hélène. Donc, bonjour Patrick. Bonjour Maud. Nous sommes ici à l'Acrobranche. Oui. Donc on voudrait savoir quand est-ce que ça a commencé exactement, où ça, quand est-ce que c'est né en fait. L'Acrobranche, ça date d'il y a, 10 ans. 10 ans. 10 ans. D'accord. Et ça vient d'un gars qui faisait du ski l'hiver, qui était moniteur de ski, et qui s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire l'été dans les arbres. Donc c'est un produit qui est 100% savoyard. Alors, donc vous êtes tous équipés d'un baudrier. Donc sur ce baudrier-là, vous allez avoir deux longes. Et sur ces longes, vous avez deux mousquetons à chaque extrémité. Alors, sur l'ensemble des parcours, vous allez avoir deux couleurs de scotch. La première, ça va être le rouge. Vous voyez, il y en a partout. Ça correspond à votre ligne de vie. Donc à partir du moment où vous quittez le sol, vous devrez toujours être attaché par un des deux mousquetons. On a toujours au moins un mousqueton d'attaché. Quand on est sur un atelier, on a deux mousquetons attachés. Ça permet de passer d'un atelier à un autre. Donc, en gros, donc, accrocher égale sécurité. Exactement. La deuxième couleur que vous avez trouvée, c'est le vert. Ça veut dire quoi? On peut y aller. Non, c'est arbre. Vert. Vert, grenouille. Liberté. Espoir. Je sais pas. Le vert, ça veut dire qu'il faut mettre sa poulie. Ah ouais. D'accord. La poulie, c'est ça. Ça permet. Égale sécurité. Et voilà. Crochet égale sécurité. Allez, viens. Viens. Sécurité, il faut qu'on reste attaché. Mlem, je peux pas continuer. C'est trop haut, j'ai le vertige. Non, c'est trop haut. Approcher égale sécurité. Accrocher égale sécurité. Accrocher égale sécurité. L'époque de Tarzan s'est révolue là. T'es où les toilettes? J'ai envie de pipi. Est-ce que quelqu'un sait où sont les toilettes? Et sinon, alors on se posait la question, parce que c'est donc pour tout l'équipement, on utilise les arbres. Mais les arbres, ça pousse? Alors les arbres, ça pousse, bien sûr. Ça fait monter les plateformes. C'est-à-dire que l'une sur l'autre, on est un petit peu plus haut. Mais on les respecte, les arbres, quand même. Hein. Et les arbres sont protégés, hein, puisqu'on a des cales tout autour des câbles, on n'a jamais de câbles qui sont directement sur l'arbre. Hein. Ouais. Oh la fée, j'ai peur là. Pour de vrai? Ouais. Je t'attends. Ah, tu respires, Lem Lem. Je vais t'emmerder de la tête. Non. Tu crois que c'est le moment de te faire rire? Oui. J'avoue que là, on risque d'être coincé, Lem Lem. Elle avance pas. Elle dit, c'est chaud. Quand il y a des personnes qui restent bloquées en plein milieu, tétanisées, ça se passe comment? Alors en principe, on vient chercher les gens tous les vendredis pour que le parc soit propre le samedi. Donc à ce moment-là, on appelle Spider-Man qui vient récupérer les gens grâce à un morceau de... Alors c'est un fil, c'est un peu gluant sur le coup, mais au bout du compte, on est content qu'il passe. Ah voilà. Voilà, c'est ça, il a tout compris. Il y a un tyrolien qui descend là, juste en dessous, au-dessus. Oh,
L'aime, l'aime. Ça me tue plus que les autres. Mais t'as pas été araignée dans ta vie antérieure? Ah non. Une veuve noire? Ah non. Elle fait sa maline, mais je crois qu'elle flippe un peu comme tout le monde un petit peu. Non, pas j'ai entendu, elle va cracher. Ah, sympa le dévissage. Attiré par les pattes. Ben voilà. Patrick, on te remercie. Merci beaucoup. Ben de rien. Merci Maud, merci Hélène. Oui. Rappelez-vous, accrocher égale sécurité. Donc, à bientôt pour un prochain sport. Allez, c'est parti. C'est parti. Oh, lève-la. Ah ouais, trop bien. Trop fort, j'adore les combats au sabre comme ça. Quand ça envoie. Ouais. Ça donne des pauses. Ah putain, chaque fois. Ouais, Eric. Ouais. Ah, ça m'arrange pas là, je suis en train de mater un film là. De l'escrime. Mais bouge pas, j'arrive, j'arrive. A tout de suite. Ça c'est pour filles. Ah ouais. T'approches. Il faut les mêmes pour les mecs, non? Pour les mecs c'est quelque chose de... Ah ouais. C'est pas obligatoire. C'est pas quelque... Et pour les filles c'est obligatoire. C'est là comme ça. C'est un verre. Voilà. Ah ouais, d'accord. Hop. Ça, les filles qui font des faux seins. Oui, parce que c'est... Ça évite que ça fasse... Harmonica, est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre le fleuret, le sabre et l'épée? Alors, la différence entre les trois armes, c'est la différence des formes. D'accord. La différence des surfaces valables aussi, c'est la surface valable, c'est où tu marques les pointes. Et ça correspond à des catégories en fait différentes? Oui, c'est parce que c'est l'âme 0 pour les petites catégories, l'âme 2 plus grand et l'âme 5 à partir des minimes jusqu'à senior. Et donc toi tu es roumaine? Oui, je suis roumaine. Tu es championne là-bas et tu es venue apprendre oui. Aux jeunes français oui. La technique
Bon, les Français, c'est meilleur, c'est un grand pays, hein, c'est pas... Et aussi la Roumanie. Hein. Ah mais ça sert à quoi ça? Tenez. Il paraît qu'en escrime, le terme de faire de l'escrime, ça s'appelle tirer. Alors je vais demander à une fille si elle veut pas tirer avec moi. Tu voudrais pas m'apprendre à tirer? Alors la position de garde. Donc toi, perpendiculaire et l'espace, c'est à peu près l'espace entre les épaules. Okay. Les bras devant. Mmh. L'épée doit être dans le prolongement de ton bras. Ah, ouais. Comme le prolongement de ton bras. Et on fiche les jambes. Tu fais ça. Et pour ça, regarde, on plie la jambe arrière. Ben voilà. Ouais, c'est bon. Ben voilà, tu peux tirer. Okay. On va planter la jambe. Je l'ai eu. Il est débrouillé. Il est débutant. Je me fais tôler, je crois. Quand tu regardes des films, ouais. Est-ce que tu peux dire à lui, il se débrouille mal ou les acteurs? Oui, et les acteurs, ils font des scrims artistiques, hein. C'est ouais. Déjà autre chose, les mouvements plus amples, c'est parce qu'il existe les scrims artistiques qui les fait en club aussi. Hein. C'est très d'artagnantesque. Oui, c'est vrai, c'est très joli. C'est très beau. Ok, bon. Bah, je te remercie Monica. Merci. T'as très bien parlé. Oh, t'es toute seule. Bon, c'est quel plan? Non, mais... Putain, je me suis foutu du cerveau dans les yeux. J'ai pas de formation, là. J'ai balle. C'est qui derrière la couche, là? Ah, le dieu! Ah, merde! It's football time! It's football time! It's football time! Wouh! Yeah! C'est où? Toujours la même qui ramène le matin. Là, on les met en place sur le canapé. Non, sinon, regarde. Grab my jacket.